Salut les gens, c'est Gecko, comment allez-vous? Moi, ça va super bien. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour un nouveau tutoriel. Donc dans ce tuto, je vais vous montrer comment obtenir gratuitement les trois véhicules collecteurs de ce jeu. Donc pour cela, vous allez tout d'abord ouvrir votre téléphone pour ensuite lancer une page internet et vous rendre sur Voyages et Transports. De là, vous allez sélectionner Legendary Motorsport. Donc, c'est pour obtenir ces trois véhicules, hein, la Caméléon, la Outlife et la Carbon RS. Donc, de là, vous allez sélectionner la Elegy, tout simplement parce que ce véhicule est gratuit. Donc, là, vous allez sélectionner une couleur, peu importe laquelle. Ensuite, vous allez cliquer sur la petite maison en haut à gauche de l'écran. De là, vous allez placer votre curseur sur la barre de recherche et faire B et A assez rapidement. Vous allez atterrir ici. Donc là, pour la Caméléon, vous allez effacer le 7 de la barre de recherche pour mettre un 8. Si vous voulez la Outlife, vous allez mettre 20, 29, pardon. Et pour la Carbon RS, vous allez mettre 30. Une fois ce chiffre entré, vous allez valider tout simplement, appuyer sur la touche Entrée et recliquer de nouveau sur la petite maison en haut à gauche de l'écran. Vous allez revenir sur la page d'accueil, vous allez remettre votre curseur sur la barre de recherche et de nouveau faire B et A. De là, vous allez revenir sur la page de la Caméléon. Là, vous allez supprimer Car Detail 28 pour y rentrer Pure Chase Car. Donc, Pure Chase Car. Désolé pour l'accent, mais je ne parle pas très bien anglais. Le principal, c'est que vous me compreniez. Donc, une fois que vous avez rentré ces trois mots, collés bien sûr, vous allez cliquer sur la touche Entrée. De là, il va falloir que vous fassiez une place dans votre garage. Donc moi je viens à la comète. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, il y a la notification d'achat qui s'affiche en bas à gauche de l'écran. Donc une fois cette notification apparue, vous pouvez sortir à l'internet. Et de là, il va falloir appeler votre mécano pour qu'il vous ramène ce véhicule. Donc la petite chose à savoir qu'il ne faut pas oublier de préciser, c'est que ce véhicule, si une fois que vous l'avez en main, vous ne pouvez pas le rentrer dans votre garage vous-même. Et si vous allez dans votre garage, vous ne la verrez pas visuellement, mais le véhicule sera bien là. Tout simplement parce que ce véhicule, pour le tenir, normalement, il faut télécharger un DLC, il faut acheter un DLC. Mais bon, vous l'aurez le véhicule, hein, il ne sera pas dans votre garage, vous ne le verrez pas dans votre garage, mais il sera bien là. Même si vous changez de session, vous éteignez votre console, vous revenez, il faudra tout simplement faire appel au mécano à chaque fois pour qu'il vous l'amène. Alors là, le mécano, en parlant de lui, qui est en train de me faire tourner en bourrique. Alors il est venu, il est reparti, maintenant il revient. Donc voilà la fameuse Caméléon. Donc super véhicule, franchement, je la trouve super belle. C'est un peu un mélange d'une Aston Martin et d'une A5. Donc votre véhicule électrique, hein, comme vous pouvez le voir avec les panneaux solaires sur le toit. Ce véhicule tient super bien la route, on prend facilement en main. Il fonctionne très bien, silencieux. Ouais, forcément, comme je vous l'ai dit, véhicule électrique. Donc voilà les gens, donc j'espère que... Ah, petite chose, non, que j'ai oublié. Donc je ne vous ai pas fait montrer pour les trois véhicules, hein, pour la Outlife et la Carbon RS, la moto. Mais comme je vous l'ai dit, la manipulation est la même. Juste au moment de changer le chiffre dans la barre de recherche sur la page internet, au lieu de mettre le 8 pour la Caméléon, vous allez mettre un 9 pour la Outlife. Et pour avoir la Carbon RS, vous allez effacer le 28 pour mettre un 30. Donc voilà les gens, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, vous sera utile. Et moi sur ce, je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les gens!